D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lug 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc là, on va ouvrir les coffres. Là, on va commencer par là. Donc voilà, pour concours, encore une fois, n'hésitez pas à participer. Si vous voulez avoir des gemmes gratuitement sur Clash Royale, n'hésitez pas, vous avez un lien en description. C'est une vidéo vraiment super bien. Donc pour avoir des gemmes gratuitement sur Clash Royale. Et pour le concours, n'hésitez donc pas à participer, mettez un petit jeu, participe, un petit like et partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour participer pour une carte iTunes ou Play Store de 10€. Donc, coffre en argent, de l'or, 2 billets de combat, 17 dessus, un squelette, un petit peu d'or. Bon, le jeu est assez vite parce que c'est le petit coffre en argent. Là, j'ai récupéré le 12e, donc on a 1000 d'or, je vais assez vite, hein. On va voir ce qu'on a à la fin, donc charrette à canon et 12 sorciers. Ok, donc le prochain, il me faut 4 couronnes encore. Donc là, on va faire par contre la garde de clan. Enfin, on va déjà faire les deux attaques. Enfin, les trois du coup en tout, mais les deux restantes pour la garde de clan. Pour faire le deck ensuite de la garde de clan. Alors, donc là, c'est un deck au hasard. Je regarde si ça filme juste vite fait. C'est bon. Hop. Ok, j'ai mis la bûche beaucoup trop tôt, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là pour l'instant ça va, plus ou moins ça va, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, donc là peut-être le mineur. Le prince est toujours en vie, il va toucher la tour, nickel, le mineur est là. On descend la tour à 1118 points de vie, donc pour l'instant ça va. Peut-être une petite bûche, ouais, donc quoique ça ira avec ça. Je mets l'électro-dragon, d'ailleurs je l'ai jamais joué je crois depuis que j'ai rejoué à Clash Royale, je crois que je l'ai jamais remis. Depuis que j'ai repris le jeu, enfin je l'ai jamais utilisé plutôt. Donc là, ok. Est-ce qu'il fait beaucoup. Ah, quand même, il fait beaucoup de dégâts. 300 dégâts, j'aurais dû. Ouais, plutôt. Plus ou moins 200-300 dégâts, j'aurais peut-être dû. Est-ce que la boule de feu touche? Non, oui, c'est bon. J'aurais peut-être dû défendre, mais c'est pas grave. Ouais, petit prince. Aïe aïe. Aïe aïe aïe, on met le mineur, on prépare le zap peut-être. Donc là pour l'instant on est plutôt à égalité, 70 points de vie sur ma tour en bas à gauche. Mais évidemment il va avoir la tour. Nickel, je mets une petite boule de feu. Bon, c'est assez serré hein. Pour l'instant c'est assez serré. Ah c'est bon, j'ai eu. Ah j'ai gagné. C'est vrai que j'avais pas remarqué parce que je pensais qu'il allait avoir la tour de gauche, mais en fait non. Je pense que lui aussi c'était pareil, il a dû se dire oh, c'est bon, je vais avoir la tour de gauche, j'irai 70 points de vie. Et en fait pas du tout. Donc la princesse, c'est cool. Princesse dans ce coffre là, il y a un ballon aussi, donc là on va faire, allez, on va faire celui-là peut-être. Double XR, allez, c'est parti. C'est parti pour le double exir, deuxième attaque. Alors là, allez, fripon. Voilà, je sais pas trop mieux, j'allais, tant pis. Mineur. Ouais, je choisis pas les bonnes cartes là. Allez, là par contre, je prends la légendaire parce que pour 4 d'élixir, cette légendaire là tue facilement la horde de gargouilles. Donc j'ai pris plutôt la légendaire. Mais c'est vrai que là, j'ai pas de très bonnes cartes, mais bon, on va voir. On va voir, on va voir. Donc là, on met les fripons. Mineur. Bûche.
extracteur, je mets l'archer magique qui est vraiment pas mal, l'archer magique pour contrer la horde gargouille. Donc là bien sûr j'ai mis l'extracteur en bas à droite, hop, nickel. Pour l'instant, nickel. Donc, deuxième extracteur. On économise l'élixir tranquillement. Je mets l'archer magique, évidemment. Pour défendre contre la horde, excusez-moi. Contre la horde. Ok, c'est chou là. Un petit peu de dégâts à droite, parfait, nickel. Nickel, donc là bah, j'ai trois extracteurs, hein. J'en profite, écoutez. J'en profite. Et on prépare le petit mineur à gauche. Et voilà, hop, hop, hop. Bah écoutez, dès qu'on a pas mal d'élixir, c'est sûr que c'est plus facile. C'est sûr que c'est plus facile. Hop, et je vais essayer de mettre un dernier extracteur si je peux. On va mettre les squelettes ici. Un dernier extracteur, non j'ai pas le temps. Mais voilà, avec 2-3 extracteurs, oui, d'élixir en bas. Pas de soucis, donc voilà, 3 couronnes, on récupère pas mal de cartes. Donc ça fait 2 victoires et une défaite. Donc j'ai eu un ballon encore. Enfin, j'avais déjà eu un ballon je crois. Donc ça me fait une carte 700 à peu près. 850, ok. Donc, pour l'instant on n'est que 2 à avoir participé à la guerre. Mais on va attaquer en ligne, c'est parti. Ah, on peut ouvrir un coffre. Écoutez, si je peux... Non, je peux pas. Bon, on l'ouvrira après l'attaque. On l'ouvrira après l'attaque, ce petit coffre. Alors, donc là on est avec mon deck. On est contre un niveau 12. Donc là, canon pour défendre. Bon, pour l'instant, aucun dégât. On va mettre ça. Barbare ballon. J'espère qu'il n'a pas de horde. J'espère qu'il a... Ouais, bon, sorcier. C'est quand même assez puissant. Ok, donc là. Mince. J'ai cru que ça allait attirer quand même les deux barbardés. En fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Il va détruire ma tour, en fait. Là, on a perdu une tour. Là, on a perdu une tour. Mince. Aïe, oui. Là, c'est sûr que... Effectivement. En plus, il y a le petit sort de rage avec le bûcheron. Je mets les barbares à gauche. On tente. Ok, une TDE, alors là. J'aurais pas dû mettre les barbares. J'aurais vraiment pas dû mettre les barbares. Allez, la horde. Oui, il y a un petit barbare qui va, ouais, qui va mourir. Dommage, là. Bon, pour l'instant, c'est assez serré. Enfin, il a quand même la tour. Il descend la tour à 1455. 1286. Bah écoute, ok. Je mets la horde, allez. Petite horde. Voilà. Ouais, ma tour du roi est quand même à 800 points de vie. C'est vrai que je défends pas trop pour essayer d'attaquer. Mais là, c'est vrai que 800 points de vie, voilà, c'est un peu chaud. Mais on va essayer, on va tenter quand même. On va tenter quand même, bien sûr. Donc là, j'ai la tour à droite. Ça fait déjà une tour. Donc ça fait un partout pour l'instant. Et on va tenter... Hop. Oh.
C'est serré là. Ok. Il sort la roquette à la fin, bah bien joué. Hein. Bien joué, bien joué. Donc là, ouais, c'est assez serré. Assez serré cette game, mais il a géré. Hein. Il a géré à la fin. Enfin, ça c'est serré. C'est vrai qu'il a quand même bien géré. Donc là, j'ai pas de quête. Ah d'accord. Je joue 44 entre 1. Entre une et deux unités d'élixir. Ok, ben j'ai encore. Faut que je joue encore une seule fois et puis c'est bon, j'aurai cette quête là. Donc là, on ouvre le 13e coffre du mois. 3 gemmes en plus, une pierre tombale, 5 TDE, 7 électrocuteurs. Électrocuteurs et 62 zap. Donc par contre, voilà, la princesse là, il m'en manque plus qu'une seule. Donc j'ai fait la demande et pour l'instant, personne ne m'en donne. Si quelqu'un me donne une princesse, ben écoutez. Ah, j'ai aussi ce défi là, tiens. On pourra le faire dans une prochaine vidéo. Donc voilà, si quelqu'un me donne une princesse, ben je pourrais l'augmenter au niveau 12. Donc c'est le niveau max, il me semble. Ensuite, on pourra augmenter toutes ces cartes-là dès qu'on sera niveau 13. Avec les petits jetons que vous voyez en bas. Donc soit 2, soit 3. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter la vidéo, à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao!